Mais pourquoi vous contestez? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'amendement de 1123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Adopté, j'ai regardé, évidemment. Non, non. Je mets aux voix. Comment ? Cela, là ? Non, non, mais écoutez, il a été adopté. Ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques, monsieur Breton. Monsieur Breton. Non, non, écoutez. Mais pourquoi vous contestez ? Si je vous dis que l'amendement a été adopté, il a été adopté. Écoutez, ça suffit. Ça suffit. Le vote a eu lieu. L'amendement 14, monsieur Breton. L'amendement 14. Merci, monsieur le président. C'est vraiment scandaleux. On a pu voir. Non. Sincèrement, hein, parce qu'alors là, il n'y a aucun souci. Il y avait à peine la majorité au sein du groupe majoritaire. Bon. Il y en a eu une autre moitié qui a voté contre, et nous, très largement, on a voté contre. Donc, sincèrement, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment régler cette question du vote. On peut faire un assis debout pour vérifier. L'amendement 113. Non, mais vous ne voulez pas défendre l'amendement ? Non, le vote a été constaté et proclamé. Il est donc acquis. Allez-y. Je demande une suspension de séance de 2 minutes. Qu'on puisse se réunir, parce que si on commence comme ça, on biaise totalement le texte, on est sur la ligne A3, on réécrit tout, c'est un sujet majeur, donc on ne peut pas. Franchement, regardez bien, on peut faire un assis debout, c'est très simple. Non mais le vote a été acquis. Donc, vous souhaitez une suspension de séance ? Parfait, la séance est suspendue, 2 minutes.